Un ex-combattant nous montre une photo sur son téléphone. On le voit en forêt, posé fièrement, un fusil d'assaut dans les mains, une arme de guerre récupérée au cours d'un affrontement avec des militaires. L'arme-là est encore avec moi parce qu'on ne nous a pas encore démobilisé, c'est ça. Colonel Lascoman, c'est son surnom de combat, a quitté sa cachette en forêt il y a 3 mois pour rejoindre Kindamba, déterminé à remettre son arme avec la promesse en échange d'être réinséré et que le mandat d'arrêt contre le pasteur Ntoumi serait bientôt levé. Mais les mois passent et la méfiance s'installe. Ce qui nous inquiète, c'est que le président de la République n'est pas clair. Parce que depuis qu'il avait signé l'accord, ça fait déjà 7 mois de cela, on n'a pas de solution. Donc, il parle de la paix. Mais selon nous, la paix n'est pas une véritable paix. À la méfiance s'ajoute la lassitude des conditions de vie. Ce jour-là, à Kindamba, ils sont une dizaine d'anciens combattants regroupés sous un arbre. Les plus chanceux réparent quelques motos, mais la plupart n'ont aucune ressource, comme cet ancien maçon. On mange en catastrophe. Les organismes humanitaires qui viennent là, ils viennent seulement pour les populations. Ils viennent pour les ex-combattants. Donc nous souffrons tel que nous sommes là. Ils nous disent que vous attendez le DDR. Le DDR, on ne sait pas jusqu'à quand. Donc on est là à peine. Il y a de ceux qui vont dans les forêts, les autres vont chercher des feuilles sauvages, vous venez vendre ici, là, nous vivons mal. Avant la guerre, la plupart habitaient Brazzaville, qu'ils ont fui au début du conflit, et où beaucoup n'osent encore retourner. Ils vivent ainsi, loin de leur famille, dans des maisons abandonnées. Que le chef Kadouka. Je ne me sens pas vraiment libre. Tant que notre chef, le pasteur Ntoumi, continuera à devoir se cacher, nous non plus, nous ne pourrons pas vaquer à nos occupations à la Pointe-Noire ou à Brazzaville. Je me sens coincé ici. Que ce soit à Pointe-Noire ou Douga. Du côté du ministère de l'Intérieur, on assure que le désarmement ne saurait tarder, mais la situation inquiète Aziz Bienvenu Minkala, l'un de ceux que le pasteur Ntoumi a mandaté à Brazzaville pour négocier la mise en œuvre du cessez-le-feu. Leur politique de pourrissement risque d'engendrer de graves problèmes de mécontentement effectivement au niveau de la base, que les gens risquent de cibler encore avec des armes. Les gens vont mal interpréter ça, risquent de se révolter. Même inquiétude du côté des humanitaires. À Kindamba, si le calme règne le jour, les armes circulent encore la nuit. Sans progrès rapide, chacun redoute que le département du Poul ne reste une poudrière. Florence Maurice, de retour de Kindamba, RFI.